Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de consommer différents types de nourriture ramassés sur le terrain. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des nourritures disponibles sur Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre près de Greasy Groove parce que à cet emplacement là il y a des coffres, des caisses de nourriture, donc de fruits, de légumes et de fruits qui sont directement en dessous du tacos burger, enfin du tacos, du snack tacos. Donc je vais aller me rendre là, logiquement, même si c'est dans une caisse où il y a de la nourriture, une caisse de légumes ou de fruits, même si vous ouvrez une caisse comme ça, normalement c'est ramassé sur le terrain. Donc je vais tester si ça fonctionne pas, mais il faudra que j'aille vraiment ramasser la nourriture sur le terrain, genre par exemple des choux ou des bananes ou autre. Donc là on va voir, là je me suis rendu ici donc à Greasy Groove, voilà, à cet emplacement il y a des caisses de nourriture, hop, donc je vais les récupérer. Donc ça me donne des choux, des bananes, des piments. Donc ici en bas normalement il y en a aussi, regardez, voilà, il y en a encore là, hop, ici, ici. Et là maintenant, bah, je vais tout simplement manger de la nourriture. Il faut que je mange trois types de nourriture différentes. Donc là, j'ai mangé un piment. Est-ce que ça valide? Oui, consommer différents types de nourriture ramassés sur le terrain. Donc ça valide bien. Donc même les caisses de fruits et de légumes fonctionnent. Pas besoin d'aller les ramasser directement sur le terrain. Donc là, c'est bien. La personne m'a donné un coup, donc m'a tiré dessus. Je vais pouvoir manger la salade plus la banane et terminer mon défi qui était de manger 3 fruits ou légumes différents. Donc voilà, de manger 3 types de fruits ramassés sur le terrain différents. Donc voilà, quand vous aurez terminé le défi, ben vous débloquerez le masque native qui est associé à ce défi, donc la consommer. Ça ne l'a pas encore validé par contre. On va voir si ça me le valide là, parce que là j'ai mangé quand même un piment, une salade et une banane. Ça n'a pas l'air de me le valider. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher... What the fuck? Allez, touche-moi. Ok, parfait. Je vais aller chercher une pomme. Parce que je sais pas pourquoi, la banane ou... Enfin, il y a un fruit qui n'a pas compté. J'ai l'impression. Donc je vais aller chercher une pomme et un champignon. Hop, on mange le champignon. On mange la pomme. Là, logiquement, ça devrait valider, hein. Voilà, consommer différents types de nourriture sur le terrain, 3 sur 3. Voilà, j'ai terminé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.